Amen. Amen. Je suis de rendre grâce à Dieu par rapport à les merveilles qu'il me fait, tout ce qu'il me fait. Amen. Je suis tombé malade, j'avais l'infection pulmonaire, j'ai aussi la tuberculose. Mais l'infection là, j'ai ramassé là où je travaillais au restaurant, comme je suis cuisinier. Moi, j'étais à la cuisine et l'autre faisait les pizzas à côté, donc la fumée là, quand ça se mélange, j'ai commencé à tousser. Mon patron me dit, c'est comment? J'ai dit, ah, monsieur, je ne sais pas. Je faisais que pousser, 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 pousser. C'est là où mon collègue me dit, petit, on va aller à l'hôpital. J'ai dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital, je m'en vais rester à la maison. Il me dit, alors, moi, je vais payer. J'ai dit, non, je ne pars pas. Le patron m'a pris, il m'a mis à l'hôpital. Quand je pars, je fais les examens. Il me dit, ah, le docteur me dit, j'ai l'infection. J'étais en train de pleurer. Même à plus haut serviteur, je n'appelle personne. Parce que j'étais déjà en lâcher là-bas. Je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à manger. Hormis la maladie que j'avais, j'avais une chair qui sortait net au niveau de ma gorge. Je ne buvais plus de l'eau. Je ne mangeais plus. J'ai fait 4 mois sans boire de l'eau. Même le bouchon, je n'allais même pas avaler le bouchon d'eau. J'ai dit, ah Seigneur, je vais mourir sans voir ma mère. Je vais mourir sans voir mes frères et sœurs. J'ai dit, non, je vais faire quelque chose. Le frère Stéphane m'a appelé, ah frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? J'ai dit, j'ai honte. Parce que moi, là, j'ai la même pour me regarder, tu me regardes, moi, tu te mets à pleurer. Les frères sont venus me retrouver à la maison. Tous les 100% ils sont venus me retrouver à Asbel. C'est comme ça que tu as parti, tu as mouru, tu viens perdre, il y a quel problème. J'ai dit au frère, ah, je ne sais pas ce que j'ai. Ils me disent, ah, on va aller à l'église. J'ai dit, je ne viens pas. Il a pris le téléphone, il a mis ça à sa grande soeur. La grande soeur, par ailleurs, Asselin, viens à l'église. J'ai dit, ok, dimanche, je viens à l'église. Mais je n'ai pas la force pour me déplacer, venez me chercher. Le frère Stéphane est venu me chercher, il me dit à 6h ou 7h comme ça. Ils sont venus me chercher, je suis parti à l'église. Je suis allé m'allonger là où moi c'est vers le bureau de Moss. Quand l'église est terminée, moi c'est venu me voir. Asselin, à quel problème? Je dis Moss, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Il me dit ok, ça va aller. Maman passe un peu la bouteille de jus, de coco. Moi, ça a pris une bouteille de jus de pétrole, les 2 bouteilles. Je buvais seulement le jus de coco et le jus de pétrole, je fondais sur le corps. Je priais, mais je ne partais pas à l'église, je ne vais pas cacher ça, je ne partais pas à l'église. Je suis vraiment tellement à la maison. Donc, si je suis là devant vous, vraiment, je remercie beaucoup au serviteur, je remercie à mes frères 100%. Même moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis quitté à 100%, mais je prie Dieu, je vais revenir. Amen.